Sushi, t'es là? Salut Brian, ça roule? Tu vas pas le croire, je suis encore dans la mouise. Réinstalle Windows. Je déconne pas, Sushi. J'ai besoin d'aide. Comptez sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais commencer par le début. Bon, alors voilà. Avec Gina, on avait décidé de passer des vacances à Hawaï. Le soleil, le sable, les daiquiris, tout ça. Enfin, bref. Gina a absolument voulu aller voir les chutes et le temple de Tiki sur Mala Island. Moi, je le sentais pas trop. Mais bon, on s'est quand même retrouvé un matin à se lever aux aurores pour partir en excursion. Brian, réveille. Je
suis crevé. Allez, Feignas, je suis sûre qu'on va s'éclater comme des bêtes. Si tu le dis. Oh. Allez. Regarde. Me dis pas que t'as plus envie d'aller voir ces chutes et le temple de Tiki. Platypus Tour, t'as rien trouvé de mieux comme agence? J'en ai appelé plusieurs et on m'a à chaque fois répondu que tous les vols vers Mala Island avaient dû être annulés jusqu'à nouvel ordre. Hein? Oh, commence pas. Le gentil monsieur de l'agence m'a assuré qu'il n'y aurait aucun problème. Allez, faut se remuer. Le pilote nous attend sur la plage à 8h pile. Alors les jeunes, comment ça va ce matin? Fait vraiment un temps idéal pour survoler Mala Island. Oh, vous allez adorer les chutes et le temple de Tiki, moi je vous le dis. Elles sont tout simplement bouleversifiantes. Ne le prenez pas mal, monsieur, mais êtes-vous sûr d'être encore en âge de piloter? Brian, vraiment t'exagères là. Excusez-le, Otto. Je suis sûre que vous êtes un pilote de première catégorie. Eh, y'a pas de lézard, ma bichette. Oh, j'ai l'habitude de ce genre de réflexion. Et t'en fais pas, mon gars. Je suis encore vert. Et je sais encore m'envoyer en l'air. Eh ben, allons-y. Direction Mala Island. Je suis vraiment impatiente d'arriver. Allez, Brian, arrête de t'en faire. Détends-toi un peu. Ouais. Otto, votre hydravion n'a pas l'air de première jeunesse non plus. Oh, y'a pas à s'inquiéter. C'est du solide. Cette mécanique, c'est inusable. La qualité pareil, c'est un vrai coucou suisse. Here comes the breakdown. Et merde. Je le savais que ça finirait mal. Je le savais. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que... L'hydravion. Nous étions sur le point de nous écraser. Je suis vivant. J'arrive pas à y croire. J'ai mal partout, mais je crois que j'ai rien de cassé. Juste quelques égratignures. Otto, où est-ce qu'il est passé? C'est bizarre. Je vois pas Otto. Je suppose qu'il a été éjecté lors du crash. Pauvre bougre. Je suis désolé pour lui. Mais en même temps, il aurait pu choisir un autre moment pour casser sa pipe. C'est pénible, ces gens qui prennent des décisions radicales sans penser aux autres. On dirait que je suis tombé dans une forêt. Bon, la première chose à faire, c'est de retrouver Gina. Depuis l'avion, je l'ai vue tomber dans un lac. J'espère qu'elle a pas eu de problème pour rejoindre la rive. Elle est certainement en train de me chercher aussi. J'aurais bien besoin de nos sacs à dos. Mais allez savoir où ils ont pu tomber. Bon, ils sont pas ici non plus. Rien. Aucune trace de ces fichus sacs à dos. La poisse. Ils ont dû être éjectés lors du crash. Va falloir se débrouiller avec les moyens du bord. Oh là là là. J'ai dû passer un bon moment dans les vapes. On dirait bien que je suis tombé en plein milieu de la jungle. Bon, je vais pas trop me plaindre.
Cette végétation m'a probablement sauvé la vie. Oh, un petit singe. Je crois bien que c'était un lémurien. Bon alors, la bonne nouvelle, il semble y avoir moins d'arbres par ici. C'est peut-être la bordure de la jungle. La mauvaise nouvelle... C'est bien ce que je craignais. Des sables mouvants. J'ai intérêt à faire très attention où je mets les pieds. Si je pouvais atteindre cette corniche, je suis sûr que j'arriverais à sortir de cette jungle. Il surplombe les sables mouvants. C'est un énorme rocher. Le lémurien était juste ici quand je suis arrivé. Je ne vois rien de spécial. C'est pas une mauvaise idée. Depuis le sommet de ce rocher, je pourrais atteindre cet arbre mort et m'en servir de pont pour franchir les sables mouvants. Allons-y. La roche est très glissante, j'y arriverai pas. Waouh, c'est raide. Une chute d'ici serait terrible. Ce serait trop dangereux d'essayer d'escalader ça, à mon avis. Si je glisse vers la gauche, je tombe dans les sables mouvants. Si je glisse vers la droite, je me brise le cou. Je dois trouver un autre moyen d'arriver jusqu'en haut. C'est bien trop dangereux. Je préfère chercher un autre moyen d'arriver là-haut. Le soleil filtre au travers d'un trou entre les branches des arbres. Mais bien sûr, me promener avec l'équivalent de plusieurs millions de centrales nucléaires dans la poche, en voilà une bonne idée. Elle est en équilibre entre ces deux arbres, et elle risque de tomber à tout moment. Je préfère pas trop m'en approcher. J'ai aucune envie de me la prendre sur la tête. Bon, allons jeter un coup d'œil par là. Je ne vois aucune issue par ici. La végétation est de plus en plus dense et la jungle semble sans fin. Cette caisse est pleine de petits chiens en plastique. Ils sont tous pareils. Je vais en prendre un. Il a une bonne bouille. Tiens, il est plus lourd que je pensais. Il est doté d'un mécanisme pour le faire marcher. Mais il faut des piles. Ah, elles sont fournies. C'est l'un de ces fameux petits chiens cabotes. J'en ai pas mal entendu parler, mais c'est la première fois que j'en vois un. Il paraît qu'il cartonne en Europe. Quel bazar! Plein de caisses se sont ouvertes lors du crash.
C'est un morceau de hublot cassé. J'aime pas trop l'idée de me promener avec un morceau de verre tranchant dans la poche, mais je dois reconnaître qu'il pourrait m'être utile. Bah, je vais faire attention de ne pas me couper. Il est fermé à clé. Impossible. Il faut une clé pour l'ouvrir. Des journaux, des bouteilles, une boîte de conserve, le vieux Walkman qui fournissait à Otto son accompagnement musical. Ah, ça c'est la pince que Gina porte dans les cheveux. Elle a dû tomber quand on s'est chamaillé. Je ne vois rien de bien utile. Bon, je vais prendre la pince à cheveux de Gina. Elle sera peut-être contente de la récupérer quand nous nous retrouverons. J'y connais pas grand-chose, mais il me paraît assez clair que tout est bousillé. Ça doit pas être évident de piloter un engin pareil. Ça me servira absolument à rien, mais bon, ça fonctionne. Ah, si elle fonctionnait, j'aurais pu envoyer un SOS. Rien, elle est morte. Je vais devoir me sortir de là par mes propres moyens. Y'a rien à en tirer. Elle a pas l'air fermée à clé. De vieilles jumelles et une bouteille de whisky. Otto était du genre à voyager bien préparé. Eh ben, elles sont pas vraiment compactes. Enfin. Elles m'aideront peut-être à me sortir de cette jungle. Je sais bien que c'est pas le moment de picoler, mais je serai peut-être content de l'avoir plus tard. Elle ne contient qu'un vieux thermos tout crasseux. Il est dégoûtant, je préfère pas y toucher. Si vraiment j'en ai besoin à un moment ou à un autre, je saurai où le trouver. Voyons, carte et plan de vol. Et en dessous, une loupe. Je la prends. Elle me sera peut-être utile. J'en ai pas besoin. Ah ! J'ai ouvert la trappe à l'avant d'hydravion. Je suis toujours étonné de voir ce que j'arrive à accomplir sans savoir ce que je fais.
Il est coincé. Apparemment, Otto avait deux passions dans la vie. Voler et le King. Non merci. Je vois pas à quoi il pourrait me servir. Et puis, ça me met mal à l'aise. Ah ! Le levier a lâché et la trappe avant s'est refermée toute seule. Il est coincé. Voyons si la trappe restera ouverte plus longtemps cette fois-ci. Autant me servir du manche qui est devant moi. Ça me servira absolument à rien, mais bon, ça fonctionne. La trappe avant s'est encore fermée toute seule. Le mécanisme a dû prendre un coup lors du crash et le levier ne permet plus de laisser la trappe en position ouverte. Voyons si la trappe restera ouverte plus longtemps cette fois-ci. Tiens, un truc vient de tomber. C'est à Otto, mais d'où est-ce que ça a bien pu tomber? Le soleil. Je crois qu'il y a quelque chose là-haut, mais je n'arrive pas à discerner ce que c'est. Alors, voyons un peu ce qui se cache là-haut. Allez, dépêche-toi! Tu dois sauter! On dirait un sac. J'en suis pas certain, mais ça pourrait bien être le sac d'Otto. Ça expliquerait pourquoi sa licence de pilote est tombée du ciel comme ça. En fait, ça me rassure un peu. Je commençais à avoir peur qu'Otto me tombe sur la tête sans prévenir. Bonne idée. Voyons si la taille convient. Nickel! Grâce à cette pince à cheveux, je n'aurai plus à craindre que la trappe se referme toute seule. Mieux vaut la laisser où elle est. Au moins, comme ça, je suis sûr que la trappe restera ouverte. Ah, c'est sûr que comme ça, je ne risque plus d'avoir de problème pour fouiller à l'intérieur. Un bidon d'eau, ça peut toujours servir. Il n'est pas léger, mais quand j'aurai soif, je serai bien content de l'avoir emporté. Et puis, ça m'aidera à rester en forme si j'ai besoin de m'enfuir en courant pour une raison que je préfère ne pas imaginer. Je courrai certainement bien plus vite en l'abandonnant derrière moi, ça c'est sûr. Voilà un outil qui m'a l'air plutôt intéressant. Il pourra me servir d'arme si je suis confronté à une bête sauvage. Ah. Voilà peut-être quelque chose d'utile. Du spray antidérapant. La bombe a l'air quasiment pleine. Je ne vois rien d'autre qui pourrait m'être utile pour l'instant.
C'est une bonne idée. La loupe devrait me permettre de concentrer ce rayon de soleil. Mais pour que ça soit vraiment utile, il faudrait que j'arrive à fixer la loupe à quelque chose afin qu'elle ne bouge pas. Je vois pas trop comment faire ça pour le moment. Tiens, c'est le mignon petit lémurien. Bonne idée. Peut-être qu'il sera un peu moins glissant comme ça. Là, je crois que ça devrait suffire. Voyons si c'est plus facile maintenant. Saloperie de singe. On dirait que ce lémurien est un petit plaisantin. Ah ah, voilà une idée intéressante. Si le petit chien cabote arrive à attirer l'attention du lémurien, il me fichera peut-être un peu la paix. Ça m'a l'air d'un bon endroit. Le rocher me cache, et si le lémurien m'observe depuis les arbres, il ne me verra pas déposer cabote. S'il se méfie trop, il hésitera à s'approcher. Voilà, je vais me cacher par ici. Quelle perfide petite créature! Ça va pas être si facile de m'en débarrasser. Je vais en prendre un autre. Espérons que celui-ci ne finira pas noyé lui aussi. On dirait une clé pour visser ou dévisser des écrous, des vis, ou des trucs dans le genre, mais en modèle king size. Cette idée ne me plaît pas. Ça ne m'avancera à rien. Bonne idée. Comme ça, il sera bien plus facile de placer la loupe où j'en aurai envie. Encore faut-il que le manche de la loupe s'emboîte convenablement. Croisons les doigts. C'est fait. J'ai pris le plus long morceau que j'ai pu. Je devrais pouvoir la fixer facilement là où j'en ai besoin. Maintenant que le manche de la loupe est plus long, je vais pouvoir la fixer quelque part. Je crois que c'est le meilleur endroit pour l'installer. Parfait. Le rayon de soleil converge en traversant la loupe
et se retrouve transformé en rayon de lumière concentré. Ça va forcément me servir à un moment ou à un autre. Même s'il est plus probable que je finisse par me prendre les pieds dedans, à force de faire des allées et venues dans les environs. Ce n'est pas une bonne idée. Le soleil filtre au travers d'un trou entre les branches des arbres. Ce n'est pas une bonne idée. Là, je vois pas. Ça ne rime à rien. Écossais, Otto n'était pas si dénué de goût, après tout. Ça ne rime à rien. Non, ça ne me dit rien. Ça ne m'avancera à rien. Encore ce maudit lémurien. Écoute-moi bien, fichu quadrupède. Si je t'attrape, je vais te faire ta fête. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Bon, ça coûte rien d'essayer encore une fois, mais ça m'étonnerait que j'obtienne un meilleur résultat. Voilà, je vais me cacher par ici. Cette petite bête a plus d'un tour dans son sac. Je vais rejeter un coup d'œil. Oui, le sac est là. Et il est très probable que ce soit celui d'Otto. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Mon bricolage avec la loupe est bien plus efficace. Ça va forcément me servir à un moment ou à un autre, même s'il est plus probable que je finisse. C'est clairement l'endroit le plus adapté au fonctionnement optimal de mon invention révolutionnaire. Ça ne rime à rien.
Je vais en prendre un autre. Espérons que celui-ci ne finira pas noyé, lui aussi. Ça ne m'avancera à rien. Ça rime à rien. Je vois pas en quoi ça pourrait m'être utile. Ça ne m'avancera à rien. Je ne vois pas à quoi ça pourrait servir. On dirait qu'il y a un petit bouchon à l'arrière. Je crois qu'il est doté d'un réservoir destiné à être rempli de liquide. Bon, je suppose que c'est à ça que sert ce réservoir. Prêt. Le réservoir est plein d'eau. Encore ce maudit lémurien. Écoute-moi bien, fichu quadrupède. Si je t'attrape, je vais te faire ta... Maintenant que le réservoir de cabotes est plein, peut-être que le lémurien se montrera un peu plus intéressé. Voilà, je vais me cacher par ici. Est encore loin d'être concluant. J'ai juste soulagé la soif de cette petite peste. Le soleil filtre. Je vais en prendre un autre. Espérons que celui-ci ne... Que voilà une idée fort intéressante. Il est déjà plein à ras-bord. Encore ce mot. Écoute-moi bien, si je t'attends. Ça ne va pas marcher. Voyons si cette petite fripouille poilue apprécie autant le whisky que l'eau plate. Voilà, je vais me cacher par ici. Eh ben, on dirait que tu tiens pas l'alcool, mon coco. Tu fais moi le malin maintenant, hein? Il est KO. Je veux pas lui faire de mal, mais le meilleur moyen de m'assurer qu'il ne me jouera plus de tour, c'est de l'emporter avec moi. Cabot, tu viens aussi avec nous, bien sûr. C'est bien, Cabot. Bon toutou. Oh non, quand même pas. C'est une espèce menacée, en plus. Je peux pas faire ça.
Bon, le lémurien est neutralisé, donc cette fois, ça va le faire. J'y suis arrivé. Bon, me voilà sorti de cette fichue jungle. Je vais enfin pouvoir... Oh non. J'en ai fini avec la jungle, mais pas avec les problèmes, on dirait. Ce pont suspendu n'a vraiment pas l'air très sûr. En bas, il y a un défilé, mais pas moyen de descendre. Rectification, il y a un moyen de descendre. L'ennui, c'est qu'aussitôt arrivé en bas, je remonterai aussi sec avec une auréole, des ailes, une toge et une jolie harpe. C'est bien ce que je craignais. Traverser ce pont est le seul moyen de partir d'ici. Je sais que c'est apparemment le seul moyen de partir, mais non. Si j'étais dans un jeu vidéo, j'aurais pu me risquer tranquillement. Voyons. Clairement un moyen de descendre de l'autre côté. Le problème, c'est que pour arriver là-bas, il faut traverser ce pont. Cette idée ne me plaît pas. Je ne sais pas. Pas sûr que ça soit vraiment drôle comme blague. À la limite, je pourrais changer le panneau en « pont sécurisé », « traverser les yeux fermés ». Il y a une sorte de brume et j'arrive pas à voir le fond. Oh, monter jusqu'ici a déjà été difficile, mais la descente risque d'être encore pire. Franchement, je crois que je préfère sauter plutôt que de me risquer à essayer d'atteindre l'arbre mort. Bon, à la grâce de Dieu. Ah ah, sauter n'était peut-être pas l'idée du siècle, finalement.
Quelle chance d'être parvenu. Quelle chance d'être parvenu. Quelle chance d'être parvenu à arriver jusqu'en haut sans avoir. Voyons. Mais ce sont les lunettes d'Otto? Comment diable ont-elles atterri ici? Ne me dites pas que... Non. Ce pauvre Otto n'a tout de même pas fini dans cette mare infecte. Pauvre bougre. Je ne pense pas pouvoir les atteindre. Je vais couper une branche pour essayer de les attraper. Celle-ci devrait faire l'affaire. Elles n'ont pas l'air d'avoir été trop abîmées par la boue. Je m'en suis servi pour pouvoir atteindre les lunettes d'Otto. Je préfère la garder, ça peut toujours servir. Une des extrémités forme une sorte de fourche. Ça ne rime à rien. Des lunettes de pilote standard, mais selon les standards d'il y a 60 ans, au bas mot. Les verres sont rayés. Mais le reste n'a pas l'air en trop mauvais état. Ça ne m'avancera à rien. Cette idée ne me plaît. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Ça ne m'avancera à rien. Le soleil filtre au travers d'un trou entre les branches des arbres. Voilà une idée qui me plaît. Voyons, voyons. Voilà, elle est parfaite. Je ne vois pas à quoi ça pourrait servir. Cet élastique m'a tout l'air d'être pile ce dont j'ai besoin. C'est fait. J'ai pris le plus long morceau que j'ai pu. Il est épais et plutôt solide. Il m'a l'air assez long en plus. Ouais, ça devrait le faire. Ça le fait. J'ai désormais un superbe lance-pierre. Voyons si je sais encore viser. Je vais essayer de faire tomber le sac. Cette pierre devrait faire l'affaire. Dans le mille ! Ouais, aucun doute. C'est bien le sac d'Otto. Bon, voyons ce qu'il y a là-dedans.
Cette clé pourrait bien m'être utile. Et j'ai une petite idée de ce qu'elle ouvre. Le problème, c'est qu'elle est cassée en deux. Elle n'a pas dû supporter le choc quand le sac est tombé de l'arbre. Si le soleil permet d'obtenir une chaleur suffisante, je pourrais peut-être ressouder la clé. Voyons voir. Ça a marché! Et ça m'a l'air plutôt solide en plus. Allons-y. J'espère que la soudure tiendra le coup. Bon sang! La bavure qui s'est formée quand j'ai ressoudé les morceaux empêche la clé de rentrer dans la serrure. Je pourrais peut-être essayer de lisser la soudure. Je dois y aller doucement. J'ai pas envie de recasser la clé. Ça y est! Je crois que ça fera l'affaire. Voilà. Maintenant, la clé devrait rentrer sans problème. Ouais! Eh bien, ça aura pas été facile, mais au moins le compartiment est ouvert. Des couvertures, une trousse de secours et... mais on dirait des raquettes de neige. Les couvertures ne m'intéressent pas. Il fait pas vraiment froid par ici. Et la trousse de secours? Au point où j'en suis, ça m'étonnerait qu'elle me soit très utile. Par contre, ces raquettes de neige pourraient peut-être bien me rendre service. Elles datent de Mathusalem, mais elles ont encore l'air en bon état.